Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans ce jeu, je vais vous montrer comment on utilise les ampoules en cuivre. Et quelle différence avec son autre homologue totalement à l'opposé, qui est la version en cuivre oxydé qui a été jetée tout à l'heure quand j'ai lancé la vidéo. Bon, on va déjà les récupérer, ce serait plus utile. Comparé aux torches, aux blocs. Les lampes de redstone normales, vous connaissez entre vous, et ben celle-ci a une grande particularité. Déjà, si je pouvais trouver la lampe, c'est que je suis aveugle. Je crois pas. Non, parce qu'elle était cachée là. Voilà. Et ben déjà, la grande différence entre les deux, c'est que si sur l'une on peut avoir un signal que sur une fois qu'on a appuyé, l'autre il restera tant qu'on n'aura pas appuyé. Donc c'est un peu comme ce qu'on peut trouver dans certaines maisons ou garages, vous voyez, auquel quand on appuie sur un interrupteur, et par ça la lumière allumée, mais il se remet comme il était avant. Donc, très pratique pour faire un petit système d'éclairage avec un bouton, qui est évidemment plus simple que de faire avec une torche, hein, ça fait un peu plus vraie maison. Après, il y a quand même son petit style. Je trouve que ça fait bien le style d'une maison. Très utile. Puis surtout, quand on sait pas quoi faire de notre cuivre que nous on a tous, hein. Personne ne va me dire qu'il n'a jamais eu de cuivre ou qu'il l'utilise vraiment pour faire plein de trucs, hein. À part ceux qui veulent faire des maisons en cuivre ou des constructions en cuivre. Mais chacun a ses passions dans Minecraft, hein. Puis, sa différence avec son cher ami, je vais vous la montrer assez rapidement. Déjà, on va le poser là. Peut voir déjà qu'il y a un peu une différence de lumière entre les deux. Celle de gauche est un peu plus lumineuse. Maintenant, on va le voir avec la night. Là, ça va être plutôt midnight. Donc, on peut bien voir qu'il éclaire bien plus que son homologue. Tout le monde a le choix pour toujours garder en fait ça. C'est le ciré. Moi, la deuxième, je l'ai déjà pris avec ciré, comme on peut le voir, et la première. Donc, si vous voulez vraiment qu'elle fasse toujours cette luminosité-là, et ben, c'est très utile. Ah, elle a déjà commencé à s'oxyder. On peut le voir. C'est déjà un peu moins de lumière, on le remarque. Donc, vraiment, pensez à le ciré. Sinon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à compter, et à activer la cloche. Et je vous dis à plus pour le prochain clergé. Fun fact, il se fait pourchasser par un zombie, notre cher ami le villageois.